Je vais faire dans cette vidéo le résumé de Tartuffe de Molière. Alors cette pièce, c'est l'histoire d'un faux cul. Les bons vieux lécheurs de bottes qui vous font croire qu'ils sont vos amis tant qu'ils ont quelque chose à tirer de vous et qui d'un seul coup, paf, vous plantent un couteau dans le dos. Ben, je pense que vous en avez tous un en tête hein, quand je parle de ça. Eh bien ce Tartuffe, il est encore pire que les autres. Il fait semblant d'être hyper religieux, il suit la Bible à la lettre, il prie tout le temps, mais il cherche en même temps à coucher avec la femme de celui qui l'a recueilli. Il récupère tout l'héritage, et quand on veut le mettre dehors, eh ben en fait c'est lui qui fait venir l'huissier pour mettre Orgon, le vrai propriétaire, dehors avec toute sa famille. Alors il est pas cool le faux cul inventé par Molière? Bon, l'histoire se termine bien quand même. Et puis je vais vous faire un résumé un peu plus long. Voilà, donc maintenant le tableau posé, je peux commencer à raconter l'acteur. Dans la scène 1, Madame Pernelle est très en colère contre toutes les personnes de sa famille. Alors il faut imaginer la vieille grand-mère, elle arrive dans une maison et puis là il y a la fête, enfin voilà, ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle veut, surtout qu'en plus, ça n'est pas très en accord avec les préceptes religieux de Tartuffe. Donc selon elle, tout le monde mène une mauvaise vie, ne respecte rien, et chacun en prend alors pour son grade. Elle s'adresse aux différents personnages les uns après les autres. Dorine est une impertinente, Damis, donc le fils d'Orgon, son petit-fils est un sot, Marianne, sa petite-fille, est une délurée, Elmire, sa bru, sa belle-fille, est une dépensière, et Cléante donne des conseils de mauvaise vie. Dans la deuxième partie de la scène, le reste de la famille se rebiffe quand même, en accusant un autre personnage, donc Tartuffe. Selon eux, il régente la maison, mais sans aucune légitimité. Il a une trop forte emprise sur l'esprit de Madame Pernelle. C'est Damis et Dorine qui prennent en charge cette critique pendant que Madame Pernelle le défend bec et ongle. La troisième partie de la scène, qui est assez longue, porte sur les réceptions, pleines d'entrain, selon certains, ou de bruit, selon Madame Pernelle, des membres de la maison. La fête n'est pas du tout au goût de Tartuffe et de Madame Pernelle, qui fait donc ce reproche à tout le monde, assurant que cela gêne les voisins. Alors on apprend qu'en fait les voisins, ce sont des personnages à l'air modèle, mais qui sont en fait juste austères en apparence et qui vont faire la bringue ailleurs, ou alors des personnages qui sont en fait des vieilles filles, des vieux garçons et qui donc veulent du silence mais par défaut parce qu'ils ne peuvent pas faire la fête. Madame Pernelle s'en va furieuse et pas convaincue du tout. En tout cas, cette scène est très longue, très confuse, avec de très nombreux personnages. Elle donne l'impression de confusion et c'est bien ce que Molière a voulu faire. Il veut montrer dès la première scène la confusion causée par Tartuffe. Dans la scène 2, Cléante et Dorine parlent d'Orgon, qui n'est pas encore arrivé donc. Orgon, c'est le fils de Madame Pernelle, je le rappelle, et le père de Damis et Marianne. Lui aussi, il est complètement entiché de Tartuffe, il a perdu tout son bon sens, qu'il avait pourtant acquis quelques années auparavant. Il applique maintenant les préceptes religieux avec un zèle qui ressemble à la folie. Dans la scène 3, qui est une scène de transition, quelques personnages se croisent, tous ont l'intention de parler à Orgon apparemment, Elmire va donc attendre son mari en haut, Cléante l'attend en bas pour lui parler, et Damis demande à Cléante de lui parler du mariage de sa sœur avec Valère. C'est là qu'on apprend que Marianne doit se marier avec Valère. Damis, le frère de Marianne, a peur que Tartuffe ne s'y oppose ni mette son grain de sel. Dans la scène 4, Orgon revient de 2 jours à la campagne. Il demande des nouvelles de la maison. Dorine lui répond que sa femme, Elmire, était bien malade. Cette scène joue sur le comique de répétition, puisque à chaque moment du récit de la maladie d'Elmire, il y a 4 moments en tout, hein, la journée de l'avant-veille, le soir, la nuit et le matin, Orgon interrompt Dorine pour lui demander des nouvelles de Tartuffe. Tartuffe se porte à merveille, lui répond Dorine, et le tableau qu'elle fait à chaque fois de Tartuffe est en contraste avec le tableau de la maladie d'Elmire qui était au fond du trou. Mais en fait, Orgon ne s'en inquiète pas, il ne s'inquiète que de Tartuffe. Dans la scène 5, c'est le moment pour Cléante et Orgon de discuter. Cléante commence une critique de Tartuffe. Orgon veut le détromper et raconte sa rencontre avec lui. On sent, bien qu'Orgon ne s'en soit pas rendu compte, on sent la mise en scène de la part de Tartuffe. Il est là pour bien attirer Orgon et qu'Orgon le prenne pour quelqu'un de bien. Mais ça n'est pas dit clairement, évidemment. Il accuse, au contraire, Cléante d'être un libertin parce que celui-ci veut le contredire sur Tartuffe. Cléante fait alors la critique des personnes qui cultivent leur apparence seule, critique l'hypocrisie et la fausse dévotion. Il fait ensuite le portrait des vrais dévots qui, contrairement à Tartuffe, ne s'embarrasse pas de faire sans cesse des reproches aux autres. Dans la deuxième partie de cette scène, Cléante veut remplir sa mission. Alors qu'Orgon veut s'en aller, il lui parle du mariage, c'est ce que Damis lui a demandé de faire. On apprend qu'Orgon avait donné son accord. Il reste maintenant très évasif. On comprend que Damis a vraiment raison de craindre pour ce mariage.